On voit tous les soldats là dehors sur le quai. Alors je me suis dit, ça c'est drôle, que les soldats allemands nous accueillent. Et puis alors il y a le Gauleiter là, le Wagner, qui commence à parler, à faire son discours. Qu'est-ce qu'il disait? Seid willkommen im deutschen Elsass. Soyez les bienvenus dans l'Alsace allemande. Les premiers Alsaciens qui étaient donc évacués en Dordogne, et ceux qui voulaient revenir, revenaient avec des trains. Et nous, ça nous arrivait, comme j'avais le temps d'aller à la gare pour, avec ma mère des fois. Alors, ils se sont bien débrouillés pour être très accueillants. Il y avait des jeunes de la RAD, le Arbeitsdienst, qui aidaient les gens à porter leurs bagages et qui les... Vraiment, vraiment très gentils, hein. Ce qui est venu après, c'est autre chose, hein. Est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir dans quelle Alsace ils allaient retourner? Oui, sans doute un certain nombre qui n'ont pas voulu revenir, qui ont pesé le pour et le contre et qui sont restés. Mais il faut quand même dire que les autorités de Vichy les ont également indirectement incités à revenir, parce que les réfugiés touchaient quand même... à une indemnisation qui n'était pas négligeable, par jour, 10 francs, 13 francs, et ensuite 5 francs pour les enfants, etc. Et comme Vichy devait déjà payer des indemnités de guerre à l'Allemagne, ben ça allégeait d'autant le budget de l'État français. Donc si on remet les réfugiés chez soi, et puis on n'aura pas dit grand-chose non plus. Hein. Au fond, les Alsaciens... ceux qui avaient donc, comme mes parents, suivi l'école allemande et le régime allemand entre 70 et 14, 18, s'attendaient à rencontrer le même genre d'Allemands qu'ils avaient connu. Or, c'était un tout autre régime. Très très vite, évidemment, ils ont été obligés de déchanter dès l'arrivée en gare des grandes villes, l'accueil avec toute la propagande nazie autour de cet événement leur a fait comprendre que c'était une Alsace tout à fait différente qu'ils avaient rencontrée, quoi. Et avec un système qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils connaissaient très mal et qui allait comme un piège se refermer sur cette population parce que les voilà prisonniers. Il n'y a qu'un aller, il n'y a plus de retour, on ne peut plus retourner en France. Vous avez la chance aujourd'hui de rencontrer des témoins de cette époque, six dames qui avaient approximativement votre âge entre 1939 et 1945, et elles ont été affectées à notre école. Donc ce sont d'anciennes élèves de cette école qui avaient été réquisitionnées par les Allemands pour devenir la Gottfried von Strasbourg Oberschule. Voilà. Donc vous allez pouvoir leur poser des questions et entendre ce qu'elles ont vécu pendant cette période entre 1940 et 1945. Mais Gottfried n'a pas deux G. On n'a qu'un, je ne me rappelle plus. Un G. Ça, c'est les N. Mais le VN, moi, ça, c'est bien. C'est notre premier jour de classe au lycée à la Oberschule allemande. On n'avait pas de livre, on n'avait rien du tout. C'est pour ça qu'on nous a donné les dernières nouvelles d'Alsace, là, qu'on voit en allemand.
Et puis, on devait lire, on était interrogé. Heureusement, je n'étais pas interrogé parce que je ne savais pas du tout lire l'allemand. Bon, après, on l'a appris, bien sûr. Vous nous apprenez le Althochdeutsch, c'est-à-dire pas la langue parlée actuelle, mais c'est comme parlaient les Goths, les Ostgoths, les Westgoths, etc. à l'époque, avec tous les... d'où s'est développée la langue allemande petit à petit. Ça, c'était au départ. Nous, on n'y comprenait rien du tout. C'était pour nous, c'était... Et c'était... Ça n'avait aucun sens, quoi. On nous a défendu de parler le français. On a dû s'adapter à parler l'allemand, ce qui n'était pas très facile. Alors au début, on parlait entre nous, on parlait l'alsacien pour se rapprocher un peu, pour faire semblant. Mais avec le temps, il fallait à tout prix faire des efforts. Et puis, si on parlait le français, on était puni. On nous l'a dit, on a dit vous êtes maintenant allemand et puis fini. Est-ce que vos noms et prénoms ont été changés ? Bon, alors moi, je m'appelais Marguerite et j'ai dû m'appeler Margarete. Alors j'avais horreur de ce nom et puis les Allemands ont permis que je m'appelle Margotte. Alors pendant toute la guerre, tous mes amis se rappellent, je m'appelais Margotte. Je m'appelais Klaus, le nom de famille, c'est resté. Oui, pour moi, c'est resté dans ma tête, Marco Klaus. Yes. Bon, pour moi, c'était Madeleine. Or, le nom Madeleine est aussi français. On m'a traduit en Magdalena. Bravo. Ce que je n'aimais pas du tout. Or, j'avais un nom dans la famille. On m'appelait Madeleine. Et comme ça, toutes mes copines m'ont appelée Madeleine. Ça, c'était entre nous. Mais les professeurs, eux, m'appelaient Magdalena. Moi, je m'appelais Paulette et on m'a appelée Paola. Dès le mois de juillet 1940, vous aurez la germanisation de l'Alsace. Hein. Donc l'allemand, langue officielle, les noms patronymiques à résonance française, comme les fontaines qui deviennent des Brunner, etc., etc. Vous voyez, ils sont traduits. Les rues, les firmes commerciales doivent avoir des noms allemands. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passait une journée à l'école ? La journée à l'école commençait le matin à 8h et les cours allaient jusqu'à 1h. Il n'y avait classe que le matin, ce qui est encore en Allemagne maintenant. Avant chaque cours, il fallait saluer avec le salut hitlérien. Et on chantait l'hymne allemande avant le premier cours. Mais pour nous, on chantait n'importe quoi. Hein. On essayait de trouver des mots qui avaient un peu la même prononciation. C'était un jeu, un peu. On nous a demandé de faire le Kriegstagebuch, ce qui veut dire relater les différents événements des années de la guerre et de rassembler des documents concernant les victoires et les défaites des Allemands. L'enseignement pendant la guerre en Alsace consistait principalement, dès le début de l'ouverture de la classe, à annoncer aux élèves les victoires allemandes, donc le nombre de tonnages coulés la veille par les sous-marins allemands, qu'ils devaient quasiment connaître presque par cœur, du moins dans certaines écoles, et également les différentes victoires allemandes. Donc ils avaient un grand tableau qui indiquait l'avancée des troupes allemandes. Et vous voyez toujours les illustrations sous forme de propagande. La guerre, évidemment, toujours triomphale. Les prisonniers soviétiques et des guerriers au repos ou des guerriers. On ne voit pas de blessés, on ne voit pas de... Vous ne voyez pas la réalité crue de la guerre. Ça, évidemment, il faut le cacher. Quel rapport entreteniez-vous avec vos professeurs allemands ?
On en avait qui étaient vraiment très très nazis, il y en a d'autres qui l'étaient moins. Mais ils étaient tous dans le parti. Il fallait qu'ils soient dans le parti pour pouvoir avoir un poste de professeur au lycée. Dans la cour à côté, il y avait des prisonniers français. Et puis, il s'est trouvé que les filles leur avaient donné leur goûter. Ils n'avaient pas tellement à manger. Et c'était la fille, je crois, du commissaire de police allemand qui l'a raconté à la maison. Et alors, ça fait une histoire. Et puis, les filles, bon, je crois, on ne leur a pas fait de mal, mais enfin, elles ont été réprimandées. Et le directeur était obligé de passer de classe en classe pour dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et il a fait une remarque, je ne sais plus très bien en allemand comment qu'il l'a dit, mais il a quand même dit que c'est malheureux, qu'on ne peut plus faire une bonne action. Donc là, on a tout de suite senti que le directeur, il n'était vraiment pas nazi. Hein. La prof de couture et de gymnastique était très pénible, qui était très, très, plus que nazie, quoi. Elle croyait vraiment à son Führer et avec lui, elle aurait tout fait pour lui. D'une part, elle nous demandait à avoir sur notre tricot de gymnastique d'avoir l'emblème, la croix gammée. Ça, il fallait le porter. Nous étions un petit groupe de 5 dans la classe qui s'entendaient très bien. Et nous avons fait broder un drapeau français sur un tout petit bout de tissu et mis dessous des initiales « Wir sind französische Töchter » WSFT. Nous sommes des filles françaises. Hein? Et ça, on l'a porté sous le revers de notre manteau. Et le jour où ma sœur a vu ça, elle a cru tomber en plein corps parce qu'elle a dit « C'est pas possible, mais tu vas m'enlever ça tout de suite. » Et on a brûlé de peur que les Allemands le trouvent. Et alors, vers la fin de la guerre, il fallait qu'on rapporte pour les militaires les vélos, et qu'il fallait faire rapporter du matériel pour pouvoir faire des canons, etc., des verreries en métal. Un jour, je me souviens même, on a cherché des herbes pour faire des tisanes, aussi pour la Wehrmacht. Soi-disant pour sauver les soldats malades, etc. Comme elle était prof de couture, elle nous faisait faire des habits pour les quand ils étaient en Russie. Alors si vous avez des vieilles couvertures ou de la laine, et alors des vieux draps, alors il fallait coudre ça avec un capuchon, je ne me rappelle plus très bien, et l'extérieur c'était blanc pour la Russie. Est-ce que vous avez résisté d'une manière ou d'une autre pendant la guerre ? Acte de résistance est un grand mot, hein, parce que nous étions tellement serrés et contrôlés, et surtout, si nous les enfants faisions quelque chose dans ce sens, c'est les parents qui étaient internés, donc on se méfiait aussi. On savait qu'il y avait des organisations ou de la résistance, mais ils ne prenaient pas des filles de 14, 15, 16, 10, même à la fin on avait quand même 17 ans, hein, mais c'était pas assez sûr, ça c'est normal, c'était des gens plus âgés, j'en ai connu après qui ont été déportés, que je connaissais, mais des gens beaucoup plus âgés, comme Zellwenschinger ou des trucs. Elle était vraiment dans un camp de concentration, elle n'était même pas à Schirmeck, parce qu'il faisait, c'était découvert un réseau pour faire passer des prisonniers. Mais nous, on était trop jeunes pour ça. Nous, c'était des petites choses comme ça, mais... Il y a des mouvements de résistance dès l'automne 40. Ce sont des mouvements qui sont inorganisés, des bandes de copains, qui ont pris leur décision
de résister à leur manière. C'est-à-dire de faire du sabotage, c'est-à-dire de casser par exemple les vitrines, là où on a affiché des portraits d'Hitler, où on a affiché des bustes d'Hitler. Malheureusement, on peut dire qu'en 1942, pratiquement tous ont été pris. Et beaucoup vont payer de leur vie, finalement, leur audace. On va les fusiller ou ils vont être guillotinés. C'était beaucoup plus difficile dans une région annexée que dans une région occupée à organiser cette résistance. C'est pour ça qu'il fallait avoir des têtes brûlées de jeunes adolescents pour se lancer dans cette aventure. Mon père, il disait toujours, tu peux penser à ce que tu veux, mais ne te fais pas attraper, tais-toi. Il fallait se taire et obéir. Et ce qu'on pensait, c'était libre. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nicht ich erschatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Il y a une chanson populaire en Alsace qui dit « Die Gedanken sind frei ». Donc l'esprit, les idées, la pensée est libre. Et ça, vous ne pouvez jamais l'emprisonner. Et il faut trouver des moyens pour véritablement surmonter l'épreuve. Donc ça veut dire penser à autre chose. Ça veut dire ne pas... physiquement, ouvertement se plier, ne pas donner de signe de rébellion, mais être rebellé dans la tête, constamment. Vous êtes dyslexique en quelque sorte, c'est une situation de schizophrène, quoi. Ça, c'est pas facile à vivre, mais c'est là le prix de la survie. Si vous chantez la Lily Marlène avec d'autres paroles et que vous faites défiler le film, vous êtes tranquille. On peut vous chanter Lily Marlène 36 fois par jour. Vous y voyez autre chose que ce qu'on veut bien vous dire. C'est une manière de résister. C'est une manière de ne pas vous affaiblir. À l'école, il y avait alors des rassemblements dans la cour avec on hissait les drapeaux, etc. Mais le directeur tenait un laïus ou bien un professeur, mais ça ne nous influençait pas beaucoup. Ça, on écoutait autre chose, on ne l'écoutait pas. On était là, mais sans être là. On n'osait pas le dire, on n'en parlait pas, mais intérieurement. On se disait pourvu que ça change et que la roue tourne. Il y avait toujours quatre filles et plus un professeur qui devaient dormir à l'école chaque nuit au cas d'une bombe qui allait tomber sur l'école. Et c'est l'école brûlée, ou le lycée brûlé, pour qu'on puisse éteindre. Je pense qu'on n'aurait rien pu faire à quatre, mais enfin, c'était comme ça. Bon, ça ne nous a pas dérangé outre mesure, c'était assez sympathique, on passait de bonnes soirées. Oui, tu rajoutais. Surtout qu'on prenait toujours, on allait en copine, quatre qui s'entendaient très bien. Alors, on s'amusait, on grimpait sur les lits. On avait une chambre à quatre, dans le bâtiment principal, naturellement. Et quand il y avait de l'alerte, il fallait descendre à la cave, une alerte des avions arrivaient. Mais ça ne nous dérangeait pas du tout. On était beaucoup trop gamines encore, et puis on n'avait aucune notion des dangers qu'il y avait à l'époque. Une fois, il y avait une stagiaire. Et elle était, ce soir-là, de garde avec quatre autres filles. Et puis, je ne sais pas, elle voulait venir dans la chambre, sans doute pour leur dire bonsoir, pour parler un peu. « Ah, mais vous étiez français avant, vous parlez bien le français. » Alors nous,
On sait, ah, mais moi j'adore la France, qu'elle dit, mais elle, en allemand, hein, elle disait, j'adore la France, et elle nous a parlé, elle a fait en vélo. Les Allemands étaient très sportifs avant la guerre. En vélo, elle a fait les châteaux de la Loire, elle connaissait mieux la France que nous. Et alors elle a dit, maintenant on va parler le français. Et nous, alors elle a dit, mais vous avez peur? Alors elle a dit, moi je ne vous dénoncerai pas. Mais elle a vu quand. On dit, vous allez parler le français, on ne la connaissait pas. On n'avait pas le droit de parler le français, pas un mot. Il fallait se méfier de tout le monde parce qu'on ne savait pas s'ils étaient côté français ou côté allemand. N'importe qui, même des Alsaciens, il y en avait qui étaient donc convaincus par le régime et qui étaient dans le parti aussi. Alors on ne savait pas, est-ce que c'était pour leur avantage, ils étaient rentrés dans le parti pour avoir un certain poste, ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient convaincus? Donc, il fallait faire attention. On se taisait, c'est bien simple. Moi, j'ai cherché encore, on avait fait une photo de classe, là, sur ces marches, avec la, comment elle s'appelait, c'était une Alsacienne, Frau Hofmann. Oui, je pense que c'est ça. Là, nous, on jouait toujours ballon prisonnier, là où il y a le... Oui. Non, mais là, c'était un parc, c'est tout à fait différent, tu vois. Ils ont enlevé tous les arbres et tout. Oui, oui. Pour rentrer à l'école allemande, il fallait en premier lieu se faire inscrire à la BDN, c'est-à-dire la Hitlerjugend, l'association des jeunes. Les BDM, c'était les filles, et les garçons, c'était des Hayot. On dit aux jeunes, ben, il faut venir dans la Hitlerjugend. Vous aurez plus de facilité, on va vous apprendre à tirer au fusil, on va vous apprendre comment on peut piloter un avion, comment fonctionne un sous-marin, etc. etc. Bon, bah, les gamins aiment bien jouer à la guerre, aiment bien jouer à ceci. Vous voyez, c'est une manière de les attirer. Et puis pour être sûr, tous les autres mouvements scouts, mouvements de associatifs, sportifs, culturels, tout ce que vous voulez, tout ça c'est dissous. Il n'y a que la structure du parti. Le reste ne peut pas exister, il n'y a pas de concurrence. Et pour les filles, ça va être le Bund Deutscher Mädel, c'est-à-dire le BDM, où là aussi il y aura obligation pour les jeunes filles, finalement, à rentrer dans cette institution qui est une institution du parti et qui ensuite a son prolongement dans la Frauenschaft, qui est un encadrement donc des femmes adultes. La femme devait essentiellement être une bonne mère au foyer, donc on va leur apprendre la couture, on va leur apprendre à cuisiner, on va leur apprendre voyez, à tenir un ménage, à faire de l'économie ménagère, des choses de cet ordre. Et puis il y a des activités sportives, bien sûr, il y a des activités de loisirs, de détente. Mais c'est surtout l'embrigadement. Hein. On leur apprend la grandeur de l'Allemagne, on leur apprend ce que c'est qu'un arien, etc. Et qu'il faut avoir beaucoup d'enfants quand on est une jeune femme blonde avec des yeux bleus et des choses comme ça. Hein. On faisait les fameuses... Kate, tous les dimanches, il y avait des Winterhilfswerk en hiver. C'est-à-dire qu'on nous envoyait, les filles et les garçons de la jeunesse itérienne, avec des boîtes pour faire des ventes de petites, ou des oiseaux, ou des fleurs, ou des contredits pfenniks, qu'il fallait rapporter à la cheftaine. Et alors on comptait l'argent et malheur à nous si on n'avait pas beaucoup d'argent dedans, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu n'as pas beaucoup... Où est-ce que tu étais? Tu étais chez toi à la maison, etc. Enfin, on nous réprimandait quand même. J'y allais le moins possible, mais de temps à autre, il fallait se faire voir.
Et puis alors, il vous demandait de chanter les hymnes allemands et puis de faire quelquefois des passages dans les rues en chantant. Enfin, c'était pour montrer que la jeunesse hitlérienne était valable et puis qu'elle était heureuse et puis qu'elle était comme il fallait, quoi. Il y avait des défilés de jeunesse hitlérienne, de SA, de SS, de Frauenhilfe, tous les groupements qu'il y avait dans le régime. C'était exprès le dimanche matin pour que les gens ne puissent pas aller au culte ou à l'église. Tout ça, c'était toujours un peu caché, mais c'était fait dans ce sens-là. Et là, nous, il fallait venir en uniforme. Alors, nous n'avions pas d'uniforme. On a dit, écoutez, non. Mon père a dit, écoutez, non, mes filles n'ont pas d'uniforme. Ah, mais pourquoi vous ne leur achetez pas d'uniforme? Ah, ben c'est trop cher. De toute façon, hein, 5 enfants, vous ne vous rendez pas compte, etc. Et finalement, ils ont offert l'uniforme pour qu'on aille également le dimanche matin à ces défilés. Là, alors, nos parents nous avaient inculqué, hein, surtout, faites attention, ne parlez pas le français, etc. Votre père pourrait être interné. Une fois, j'étais obligée de défiler. Ça, je me rappelle, on n'aimait pas ça. On était en uniforme allemand, c'était une forme de propagande. On n'avait pas envie de faire de la propagande pour eux. Enfin, si on n'allait pas, là, on risquait Schirmeck. Ça, il n'y a aucun doute. Alors, il est ouvert pour quoi? Ben, pour recevoir les opposants. C'est-à-dire ceux qui, véritablement, ne peuvent pas se plier dans la discipline que leur imposent dorénavant les autorités allemandes. C'est un camp qui est très dur. Faut pas croire que c'est un camp de villégiature, pas du tout. Avec des commandos extérieurs qui travaillent dans les carrières, qui travaillent jusqu'à Strasbourg, à la gare, dans l'entretien du matériel ferroviaire, qui vont construire à Ensheim la piste d'envol, un commando extrêmement dur, parce que les jeunes recrues de la Luftwaffe ont pris l'habitude d'enterrer, de trouver un souffre-douleur parmi ces déportés, et de l'enterrer dans le sable jusqu'au cou. Et ensuite, ils mettent des bouteilles de bière autour de la tête et ils font des exercices de tir. Les gens perdent 20-30 kilos en l'espace de 5 semaines, 6 semaines. Et puis le pire, c'est qu'ensuite, on peut les renvoyer. Ça, c'est la seule différence par rapport à d'autres camps de concentration. Les Alsaciens mosellans, par la suite, on peut les renvoyer de nouveau dans leur foyer. Mais c'est d'autant plus pervers, parce que la famille, parce que le village voit le retour. Il voit partir un type bien portant. Et il voit revenir un gars amaigri, avec une santé complètement délabrée, et qui n'ose pas parler. Parce qu'il a signé. Il a signé un engagement de ne rien dire. Et c'est là où vous jetez la peur, la terreur dans la population. Ça a été fait pour terroriser la population alsacienne. En Allemagne, ce qu'on a vécu pendant la guerre, eux, ils n'étaient pas obligés dans la Hitlerjugend. Ils pouvaient y aller, mais ils n'étaient pas obligés. La majorité y était, c'était des jeunes. Un peu copié sur le scoutisme. S'il n'y avait pas cette idée de nazisme, c'était pas plus mal, quoi. Mais les Allemands sont tout à fait étonnés, comme nous, on était à ce point surveillés. C'était pas comme ça en Allemagne. Je ne sais pas si c'était dû à notre Gauleiter, donc Robert Wagner, qui était très, très allemand, hein, donc très proche du Führer, hein, et qui voulait faire les choses mieux qu'il ne fallait. C'est possible. Mais d'un autre côté, il voulait tout simplement chasser tout ce qu'il y avait de français, toute l'influence, et nous transformer, quoi. Wagner est un officier
de militaire. Il est à l'école des cadets en 1922, et c'est là qu'il va entendre parler Hitler dans une arrière-salle d'une brasserie munichoise. Quand il a entendu parler cet homme, il a tout de suite compris que c'était l'homme qu'il fallait pour l'Allemagne. Il a été fasciné. Cet homme disait des choses qu'il pensait tout bas et qui correspondaient parfaitement à sa mentalité. De quoi parlait-il ? Ben, il parlait de la grandeur de l'Allemagne, de relever le défi, en quelque sorte, de la trahison. Il n'acceptait pas la défaite. Et Wagner va être un fanatique d'Hitler, véritablement fanatisé, à un point tel qu'il va devenir un intime d'Hitler. Et il a un autre défaut, il veut toujours prouver qu'il est le meilleur. Alors, quand le 20 juin, Hitler va lui donner la mission d'annexer l'Alsace, de faire de l'Alsace une terre allemande et une terre nationale socialiste, et Hitler va lui dire il faudra 10 ans pour faire des Alsaciens, véritablement des Allemands national socialistes. Et lui, il répond mais non, en 5 ans, j'y arriverai. Et Hitler lui dira mais pour arriver à cet objectif, il faudrait au moins expulser entre 30 et 40% de la population. Alors, Wagner se rebiffe en disant, pas du tout, on va pas régner, en quelque sorte, sur un territoire vide. Non, il faudra les contraindre, j'y arriverai à faire et je ferai la démonstration. Dès l'automne 40, il a derrière la tête d'arriver à une incorporation des Alsaciens dans la Wehrmacht. Et il faut les préparer. Il faut donc les préparer militairement et il faut préparer aussi les jeunes femmes. Il faut que leur mari puisse partir au service militaire. Le BDM, c'est dans cette optique-là, pour qu'on soit prêt à apporter des sacrifices, etc., sacrifices de la famille et autres. Mes deux sœurs jumelles, nées en 26, ont été enrôlées de force au RAD, Reichsarbeitsdienst. Et elles ont été emmenées, donc elles étaient dans des camps en Allemagne, où elles ont dû travailler pendant 2 ans, plus de 2 ans, dans des usines pour l'armée. Et nous n'avions pas de contact avec elles. Quelquefois, on avait une lettre, mais c'était très rare. Alors, le RAD, le Reichsarbeitsdienst, c'est une véritable préparation, je dirais, militaire. Vous avez des outils à la place, véritablement, des fusils. Mais pour le reste, c'est la même discipline. Il y a des grades à l'intérieur qui fonctionnent comme dans l'armée et qui doit, là aussi, encore une fois, vous préparez psychologiquement à rentrer dans un uniforme allemand et de partir au front. Et puis, comme on manque d'hommes à l'armée, parce que les pertes commencent à être très très lourdes, eh bien on va les utiliser comme des auxiliaires, donc des auxiliaires militaires. Au début, ils ne nous ont pas embêtés. Puis alors, ils étaient sûrs de gagner la guerre au moment où ça commençait un petit peu à flancher de leur côté. Alors, ils disaient le total, Krieg, la guerre totale, quoi. Et alors, nous, on était aussi déjà plus âgés. Et à ce moment-là, on était bien contents de pouvoir rester au lycée. Hein, mais il fallait qu'on fasse de temps à autre 15 jours de ci, 15 jours de ça. On était à Hürtigheim pendant 8 jours. C'était un Allemand qui gérait une très grande propriété, dont le propriétaire avait été expulsé. Il y en avait qui ont été aussi expulsés en 40.
Et puis alors, il fallait qu'on, là, qu'on travaille. C'est pas dur comme travail. On nous donnait des trucs. Il fallait qu'on enlève les petits bouts tout blonds, qu'on les mette dans un panier, que le reste, on le jette. Nous étions en classe jusqu'à la SIPTE, c'est-à-dire la 7e inclus. Et la 8e, la dernière classe, aurait été l'année de l'abitur, c'est-à-dire du bac. Et alors les écoles ont été fermées. Et puis les élèves ont dû aller dans s'occuper ailleurs au service de l'Allemagne. Tout le monde était mobilisé, surtout à partir du moment où il n'y avait donc plus de classes ou presque plus de cours, parce qu'on était presque tout le temps à la cave. Ils ont donc arrêté les cours et ils nous ont mobilisés pour des travaux secondaires, donc, mais toujours ayant en vue la guerre. Et là, nous avons été envoyés à l'usine aussi. On a travaillé à l'usine, mais alors tous les jours, continue. Il y avait une usine Pertrix, maintenant au boulevard Wilson, qui faisait des pièces pour les mitraillettes ou je ne sais trop quoi. Et nous étions, les gamines de 14 ans, en train de travailler avec les ouvrières qu'il y avait là. On avait des boulons à contrôler. Je me souviens si le pas de vis était bon ou non. Et les bons, il fallait le mettre d'un côté, les mauvais de l'autre côté. Et là, les caisses se remplissaient plus ou moins vite. Et bon, entre nous, on racontait naturellement. Et puis les ouvrières se racontaient aussi. Alors on écoutait, nous on était très jeunes par rapport aux ouvrières, que tout ce qu'elles savaient, tout ce qu'elles racontaient, les histoires naturellement d'amour, etc. Et pour nous, c'était tout neuf aussi. Et chaque fois qu'il y avait une alerte, je me souviens, on ne voulait pas rester. On devait en principe aller dans le bunker de la gare, parce que l'usine n'était pas loin de la gare. Or, la première des choses qui bombardaient, c'était les gares, en général. Donc, on n'y allait pas. Et nous, nous courions ce qu'on pouvait. On sortait de là, on partait, on rentrait chez nous. Un jour, une journée, on a dû creuser des tranchées à Ingolsheim. Ils ont fermé l'usine et toute l'usine devait aller creuser des tranchées. On nous a conduits en tramway. Et après, là-bas, il y avait des camions de militaires qui nous attendaient, qui nous ont conduits, je ne sais pas, dans les champs. Et on a eu une pelle, et bon, qu'est-ce qu'on a creusé? Après, il y avait tout de suite une alerte. Mais alors là, on s'est caché dans les taillis, parce qu'on voyait qu'il y avait des bombes qui tombaient. Ingolsheim a été très, très... Il y a eu beaucoup de morts à Ingolsheim. Et alors après, on a été complètement oubliés. Hein. On ne nous a plus cherchés. Alors finalement, on a marché. On a peut-être marché une demi-heure, je ne sais pas. Et puis arrivé à ce Ingolsheim, on a vu... Enfin, c'était... Il y avait un tramway renversé avec des morts dedans. Enfin, c'était... Pour des jeunes de mon âge, c'était quand même pas rien, hein. Alors, il y a un Alsacien, un habit jaune, qui vient et qui dit « Ah non, non, vous ne rentrez pas, il faut aller dans les caves et déblayer, il y a des morts en dessous. » Alors, tu penses, des filles de 16 ans ou 17 ans, quand même, on avait presque 17 ans à l'époque. De faire ça, on a fait attention, quand il est reparti, on a mis nos pelles quelque part dans un coin et on est parti en courant. On rencontrait des gens qui venaient de Strasbourg. Strasbourg, tout est rasé. Et alors, finalement, il y a eu des camions de militaires allemands qui sont venus, sans doute pour des... Et ils nous ont ramenés jusqu'à la place de la gare. Et là, et la place de la gare était vraiment... C'était moche, hein, parce qu'il y avait des abris, et ces abris n'étaient pas ouverts. Et les gens se ruaient vers ces abris et les bombes sont tombées. Ils étaient entassés dans le hall de la gare, des montagnes de morts, hein. Et il y avait des restes d'une main qui traînait. Bon. Alors j'étais avec mon amie Elisabeth. On a dit, écoute, on rentre ensemble. Si tes parents sont morts, tu restes avec moi et si les miens. Alors bon, les parents étaient là, mais les deux pères étaient affolés, essayaient de nous chercher. Et le lendemain, le père de Betty et mon père, ils sont allés voir le directeur. C'est lui qui a dit, je vais vous dire comment faire pour qu'elle n'ait plus besoin d'aller à l'usine. Mais il me faut simplement un certificat d'un maire d'un village
si vous connaissez, qui dit, voilà, telle et telle femme, son fils est incorporé, elle a besoin d'une aide. Tous les deux pères ont apporté un certificat, alors on n'avait plus besoin d'aller à l'usine. On est resté à la maison, on n'est pas allé à la campagne, bien sûr. C'était un truc, et là, on avait de la chance. Mais il y en avait qui sont restés à l'usine, je crois, Paulette, jusqu'à presque à la fin. Hein. Et par après, j'ai été engagée au Lazaret, ce qui veut dire le... Là où il y avait les soldats allemands qui étaient blessés, n'est-ce pas? Qui étaient soignés. Et c'est là que je me suis alors fait engager pour aider, pour pouvoir dire que je suis dans un service qui travaille pour l'Allemagne. Les médecins, la plupart, c'était des Allemands, des soldats allemands qui étaient médecins. Qui soignaient les blessés et qui les opéraient. Et les opérations se passaient à la cave. On avait installé une salle d'opération pour qu'en cas d'alerte, les opérés soient à la cave. Et le jour de la libération, je suis partie le matin à 8 heures avec mon vélo pour Neudorf et je suis arrivée là-bas. Et on entendait déjà, au loin, on entendait les canons. Il y en a un qui m'a demandé, lorsqu'on entendait au loin les canons, « Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes ?» Et ça, c'est véridique. Hein? Il m'a demandé, « Qu'est-ce que vous êtes au fond de vous-même ? Vous êtes française ou allemande ?» Alors, je me suis dit, « Qu'est-ce que je vais lui répondre ?» J'avais 18 ans à l'époque. Alors, je lui ai répondu, « Je suis une vraie Alsacienne. » Alors, il m'a dit, « Jetzt weiß ich Bescheid », ce qui veut dire, « Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. » Ici la France. Ici la France. Moi j'étais à la maison et mon père est rentré. Il est rentré de son bureau, il travaillait, quoi, il travaillait aux impôts. Il est rentré, il a dit, ils arrivent, ils sont déjà en Chilic. Et alors évidemment, nous on était heureux, ils arrivent. Et puis tout à coup, alors on est sortis, et tout à coup, on les a vus passer au pont de Pierre. Moi j'habitais donc au Quai Kléber, et le pont de Pierre, c'est le bout. On a vu des chars passer sur le pont de Pierre. Et évidemment, moi dans l'euphorie, avec la dame qui habitait chez nous, on a couru pour devant pour les acclamer. Mon père a appelé, mais on n'écoutait plus. Hein. Et puis, alors on a fait des grands bouts, et tout à coup, il y avait nouveau des tirs et des trucs. On est vite rentré à la maison. Alors on s'est fait attraper, elle par son mari et moi par mon père. Hein. Et maintenant, tu pars plus, tu restes là. Et alors, il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient déjà partis avant. Mais il y avait quand même des Allemands qui essayaient de prendre le dernier tramway. Tout à coup, le Wattmann du tramway s'est arrêté, dit « Maintenant, fichez-moi le camp. Hein. Moi, les Français sont à Strasbourg, ou ils sont en train de rentrer dans Strasbourg. Moi, j'arrête et je vais aller les applaudir. » Les Allemands sont descendus, ils ont couru à pied, quoi. Tous les Allemands n'arrivaient pas à partir. Et ceux qui avaient une responsabilité, tu sais, la conscience allemande, ils ne partaient pas, on ne lâche pas, on reste, on coule avec le navire. Quoi. On n'avait plus pitié d'eux. Quoi. Ils nous avaient embêtés pendant 4 ans, alors on essayait de les embêter aussi. Et puis moi j'ai vu, maintenant je me dis, c'était affreux ce qu'on a fait. Une femme allemande qui avait deux valises, qui portait un bébé, et qui n'arrivait presque plus à marcher avec ce bébé. Et puis nous, on rigolait, quoi. C'était affreux ce qu'on faisait, mais on avait quand même une haine des Allemands. Hein. On était contents d'être enfin français de nouveau.
on acceptait les militaires et tout ça, c'était formidable. On courait sur les rues, De Gaulle est venu, Leclerc et tous ces gens-là, on est allés sur les rues pour les voir et pour crier « Vive la France » et tout. Et les Français eux-mêmes entendaient parler l'Alsacien ou voyaient tous les noms en allemand, etc. Ils ont dit « On n'est pas en pays français ici ». Et alors on a mis des affiches. Les Américains, de toute façon, ne savaient pas où ils étaient. On a mis des affiches partout. Vous êtes en pays allié ou en pays français. Mon mari ne voulait plus traverser le Rhin. Il voulait pas. Mon mari, et même tout de suite après la guerre, moi, je n'y suis pas allée. Il était incorporé de force. On a mis bien 10 ans où la première fois, il a une fois consenti à aller en Allemagne, je ne sais plus pourquoi. Ah non, et puis moi non plus, j'y allais pas. Hein. C'était un rejet qu'on faisait, mais pas tout le monde. Bon. Mais moi, mes parents aussi, nous on a fait un rejet. Je me demande même si mon père y est encore retourné une fois. Si, peut-être quand même, mais pas beaucoup. Pendant très longtemps, les gens qui ont souffert de la guerre n'ont pas traversé le Rhin. Et puis le phénomène, ça s'est estompé autour des années 60. Et la réconciliation franco-allemande des années 60 a été un phénomène concomitant avec le tassement dans les esprits des événements. Tous les obstacles devaient être aplanis. Et c'est là qu'on a dit, mais il y a un obstacle de taille, qui est en fait l'incorporation de force. Donc, il faut donner quelque chose à ces incorporés pour qu'ils aient une certaine satisfaction et qu'ils ne se rebellent pas ou qu'ils ne montrent pas une hostilité, je dirais, à la réconciliation franco-allemande. Mais ça ne veut pas dire que l'Allemagne, officiellement, indirectement si, mais pas officiellement, a reconnu qu'il y a eu un crime de guerre commis par l'État allemand et qui s'appelle l'incorporation de force. Moi, j'ai l'image en tête de Willy Brandt qui s'est agenouillé devant le monument aux morts de Varsovie. Je n'ai pas en tête l'image d'un chancelier ou d'une chancelière qui reconnaîtrait les mauvaises actions de l'Allemagne vis-à-vis de l'Alsace. Mon mari, à l'époque, il faisait ses études encore ici à Darmstadt, d'ingénieur. Et il a terminé ses études et nous nous sommes mariés après. Il a eu un travail ici en Allemagne et nous avons habité l'Allemagne. Ce qui n'était pas facile du tout. Et j'ai beaucoup souffert. Il fallait quand même l'assumer et l'assimiler aussi, de rester dans un pays qui, au fond, était un pays ennemi. Parce que autant les Alsaciens n'ont pas compris que je reste en Allemagne. Et les Allemands me disaient, oh, ben vous êtes quand même, vous êtes Alsacien, alors vous êtes quand même des Allemands. Les Alsaciens, ce sont des Germanen, comme les Allemands. Autrefois, effectivement, toute la Burgund, tout ça, c'était du temps de Charlemagne, Karl der Große en allemand. Pour les Allemands, c'est un empereur allemand. Et pour les Français, Charlemagne, c'est un empereur français. Or, c'est entre les deux. C'est difficile à dire. Je ne suis pas tout à fait chez moi, non. Dans mes quatre murs, oui. Mais autrement, il y a bien des choses qui me choquent, toujours. Et encore aujourd'hui, il m'arrive qu'on me dise « Oh, mais vous êtes allemande ». Alors je dis « Bon, ben, laisse tomber, quoi ». Alors moi, je rentrais à Strasbourg très souvent. C'était toutes les quelques semaines, j'étais soit chez mes parents, soit chez ma sœur aînée ou quelque part. Et,
comme ça. Je cherchais ce qu'il me fallait, respirer l'air français un peu. Il est écrit que je serai toujours la dernière. Je donne ni patte ni bisous. Mes lunettes, hier, j'ai été demandé, mais je te dis. Alors, j'ai regardé mon album, enfin les photos que j'avais de l'époque. Et tout spécialement, c'est la photo de notre classe. Je ne sais pas quand ça a été fait, en 41, en 42. Il y a un nom, Suzanne Valoton, tu te souviens? Oui, Suzanne Valoton. Écrit tout d'un coup, Valoton, elle a disparu. Un matin, elle n'est pas venue. Elle n'est plus venue. Ils ont traversé, oui. Ils ont été expulsés. Elle ne parlait que le français, elle ne comprenait rien. Elle ne comprenait pas l'allemand. C'est aussi quelque chose qu'on aurait pu faire. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücke, doch alles in der Stille. Und wie es sich schicke, mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren, es bleibt.